j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour juste une vidéo de présentation. Juste vidéo de présentation de cette bécane qui est une Benelli. Voilà, je vous présente la bécane tout à l'heure sur un parking, sur un endroit tranquille et tout. J'espère. Donc voilà. On démarre, on roule un petit peu ensemble, je vous emmène et puis on. Et puis je vous la présente si je vois à peu près tous les angles et puis je vous explique un petit peu. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Après quelques 15, peut-être une petite quinzaine de minutes de roulage, voilà. Voilà la moto que j'ai actuellement en ma possession. C'est une Benelli 502 TRK. Vous pouvez le voir à l'autocollant, parce que c'est un autocollant. Alors, je vais vous parler, je vais vous faire un global de la moto. C'est-à-dire, je vais vous faire combien est-ce que je l'ai acheté, combien elle m'a coûté à l'achat, combien la moto coûte et tout ça. Combien est-ce que la révision des 1000 km m'a coûté, combien la révision et combien toutes les révisions m'ont coûté et tout ça. Je vais vous dire à peu près le prix total, je pense, que j'ai mis dessus, juste en termes de la moto plus les accessoires. Voilà, on va essayer de faire ça bien. Et je vous ferai les points positifs et négatifs dans un dernier temps. Donc, le modèle. Une Benelli, donc marque Benelli, donc de marque italienne, mais construction chinoise. Clairement, les gars, ne vous dites pas que parce que c'est du chinois, c'est du bas de gamme ou truc comme ça. Je préfère le dire parce que quand même beaucoup de personnes soit ne connaissent pas la marque, soit pensent que c'est clairement quelque chose qui ne tient pas la route. J'entends bien certaines critiques, mais en tout cas, moi je les perçois pas comme ça. Je perçois pas du tout cette moto là comme ça, même si c'est la mienne. Clairement, je la perçois un petit peu différemment, mais vous allez comprendre. Donc, la moto, c'est une A2, c'est-à-dire que moi je n'ai que le permis A2, je n'ai pas le permis A1. Je passe la passerelle normalement dans pas longtemps, je dis bien normalement parce que je l'ai pas prévu, mais j'aimerais la passer dans pas longtemps. Enfin bref. C'est une moto qui fait 48 chevaux d'origine. Je dis bien d'origine parce que la moto en elle-même, voilà, vous avez les bagages ici. Mais en fait, elle a actuellement un chevau de plus parce que je lui ai mis cette cartouche-là et je lui ai enlevé la chicane. Je lui ai enlevé la chicane qui fait un beau petit bruit. Je ferai écouter tout à l'heure. Donc en fait, elle est un peu bleutée et tout ça au niveau de la... Moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous me dites moi en commentaire. Hein, mais moi, je trouve que le petit bleu comme ça, alors après... Moi j'aime bien. Donc c'est une moto qui en réalité, donc 48 chevaux comme je vous ai dit sur le site Benelli, hein, je dis bien parce que généralement on va me dire que c'est pas vraiment ça. Je lui ai fait prendre le banc avec et sans chicane, avec cette cartouche là, parce que ce n'est pas la ligne complète, c'était la ligne d'origine. C'est la ligne d'origine et à partir de là, en fait il y a un connecteur plus la cartouche. Ça vous fait en réalité la ça vous fait plus passer en origine, on va dire, mais voilà, je me comprends, j'espère que vous m'avez compris aussi. Donc le banc de puissance d'origine, c'est 48 avec la chicane, donc avec ce que j'ai rajouté avec la chicane, je dis bien, on est à 48,2 chevaux. Ça, c'est des papiers qui ont été sortis d'un banc et tout ça. À 8423 tours, enfin bref, voilà. Je gagne un chevaux, donc 49,3 sans la chicane. Donc en réalité, j'ai un peu plus de patates avec sans la chicane qu'avec. Alors des fois, on m'a dit que c'était normalement l'inverse, mais là que c'était pas exceptionnel non plus, mais j'ai gagné quand même un petit peu de puissance.
Donc moi, ça me va très bien. Ça me fait une jolie sonorité et j'ai un peu plus de watt. Donc, premièrement, donc c'est un modèle 2021. Je l'ai acheté en juin 2021. Elle a 14 000. Vous allez voir. ...14 860 km. Donc c'est une moto quand même assez récente en termes d'années, mais en termes de kilométrage, qui a tout de même un petit peu de borne. Je ne vais pas vous le cacher. Alors, c'est une moto qui m'a coûté, alors neuve, elle était à l'époque à, on va arrondir, 6 400 €. 6 399 €. Voilà, sans bien évidemment. Donc ça, c'est la moto neuve. Tout ce qui m'a coûté en plus, ça a été le forfait mise en circulation, la carte grise. Au total, 320 € pour les deux. Donc déjà, ça vous fait déjà ces deux petits points. J'ai eu le top case. Donc normalement, en fait, donc j'ai eu les deux valises, les supports de valises. Ici, normalement, vous aviez un support en chez JV, vous avez vous avez deux supports. Un support en alu qui va venir par la suite, ou un qui est en plastique dur mais qui est en forme de nid d'abeille. Beaucoup de personnes ont ce nid d'abeille là. Donc, c'était avec le JV actuellement, c'était un 52 litres. Que actuellement j'ai toujours, mais je veux passer sur un 58 litres. Et le 58 litres bouge beaucoup trop pour la plateforme, la platine en tout cas pour JV en plastique. Donc j'ai décidé de prendre celle en alu. Donc, voilà. Donc ça c'est en cours et tout ça, hein, clairement. En tout cas le kit bagage, que ça soit valise, les supports, les deux. Le support top case et top case, ça m'a coûté 900 €. Donc voilà, c'était comme ça au moins, c'était déjà mis avec. Parce qu'elle permet clairement de faire de la route, hein, clairement. Le dosseret, donc en fait sur le top case, il y avait un dosseret qui était fourni avec. Il coûte 48 €. Et la main d'œuvre 90. Voilà. Donc ça c'est, moi je vous dis, c'est ce qui m'a été sorti sur les factures. Donc je sais pas si pour vous c'est cher ou pas, mais voilà, ça c'est les prix que je peux vous donner. Les feux additionnels, alors actuellement vous avez, ce n'est plus, alors au départ c'est, ils ont fait que un partenariat, ils ont fait un partenariat avec JV. Donc c'était des feux additionnels JV que j'ai viré par des AliExpress. Vous verrez bien, enfin clairement je vois beaucoup mieux avec ça, c'est blanc, on voit beaucoup plus. Alors maintenant que j'ai rajouté celui-là et celui-là, ça fait une drôle de tête peut-être, mais quand je roule on me voit. Donc bah, même un peu trop, parce que les gens se plaignent que bah, ça aille trop dans leurs yeux. Et donc en fait ça ne m'a rien coûté parce qu'on m'a offert les feux additionnels, mais par contre la manœuvre m'a été facturée 120 €. Donc parce qu'il y avait tout le câblage et tout ça. Donc la moto me revient à 7 870 € grossièrement. Donc là actuellement je n'ai absolument pas parlé de la ligne ni de ce que j'ai rajouté et tout ça. Donc ce que je lui ai rajouté en plus, ça a été la ligne, donc enfin pardon, pas la cartouche, excusez-moi, la cartouche, 613 €. C'est carrément pour une cartouche. Alors c'est une carto qui est siglée Benelli, mais c'est une Aro. Voilà, pour ceux qui se posent la question, c'est une Aro. Clairement, ça fait un très beau bruit. Je n'ai pas vu du tout d'autres motos avec d'autres pots d'échappement, en tout cas pour ce modèle-là, autre que soit le pot d'origine, soit Aro. Donc je ne saurais pas vous dire si d'autres motos font plus ou moins de bruit, en tout cas avec le pot non d'origine. Donc là, ça a été rajouté. Donc ça, moi je l'ai acheté, je l'ai fait moi-même. J'ai remplacé donc ces deux petits
feu additionnel. Ça m'a coûté 50, je crois, une 45 ou 50 balles sur AliExpress. Et puis j'ai rajouté, il n'y a pas si longtemps non plus, les deux d'en haut. Clairement, on me voit, je vois, c'est pas non plus des longues portées, donc je ne vais pas aller chercher loin, mais je vais chercher surtout la courte distance. Donc en, pour vous faire simple, je dois voir peut-être à peu près ici, en termes de route, on va dire à peu près ici. Mes feux additionnels vont me baser toute la longueur devant. Donc ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité. Et ça me permet aussi que les gens me voient beaucoup mieux, clairement. Voilà, donc ça c'est les accessoires que j'ai rajoutés. Il y a aussi le petit support quadlock pour mon téléphone, voilà, que je viens mettre là, comme ça. Alors oui, c'est un peu, je dirais pas que c'est embêtant non plus, c'est un support téléphone. Je déteste les supports qui sont à mettre dans les dans du plastique ou truc comme ça. Je personnellement, actuellement, je déteste, je n'ai pas trouvé du tout d'alternative, mais bon, aucune me donne vraiment l'envie de changer ça. La moto, donc je vais vous dire combien ce que coûte chez Benelli, en tout cas chez à côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux, vous avez un revendeur Benelli qui se nomme Deux Roues. Je crois que c'est pas la traîne, c'est noté sur la plaque. La traîne, voilà. voilà, donc si vous voulez les appeler, c'est ce petit numéro. Voilà, vous. Alors les deux commerciaux sont David et David, donc c'est simple à savoir, mais en tout cas là-bas c'est un très bon rapport client. En tout cas, enfin, j'ai jamais été déçu du tout, en tout cas du garage, mais par contre de la Benelli, vous verrez un petit peu ce que j'en dirai après. Donc chez eux, j'ai fait toujours les mêmes, j'ai fait les révisions toujours chez eux. J'ai fait une révision des 1000 qui m'a coûté 150 euros à peu près. J'ai fait la révision des 7000 parce que cette moto là, vu que c'est une chinoise, ils veulent pas faire comme les, ils veulent pas élargir à 10 000 km, ils mettent tous les 6 000 km les révisions. Donc au bout de 7 000 km, 169 euros. Donc il y a 20 euros de différence entre les 1000 et comment ça. Donc il y a eu changement d'huile et tout ça, hein, les révisions de base. J'ai eu la deuxième révision, donc en gros la troisième, donc à 13 000 km, qui m'a coûté 291 euros. Voilà, donc je ne sais pas combien me coûtera la prochaine, j'espère 170 euros. Parce que voilà, ça coûte quand même un petit peu. Et puis vu que je suis tout, je suis quand même un gros rouleur, elle a un an, je lui ai mis 14 000 km, quasiment 15 000. Je l'ai eu avec, je crois, 12 ou 13 km. Donc clairement, je ne peux pas dire que je suis un petit rouleur. Je ne l'utilise pas tous les jours non plus, cette moto-là. Mais vu qu'elle a des bagages, je m'en sers quand même beaucoup pour des sorties, pour aller voir mes amis, pour, voilà, pour faire quand même beaucoup, beaucoup de petits trajets, voire même de grands trajets des fois. Mais voilà. Donc au total, les révisions quand même, 300, on va dire 300, en fait ça m'a coûté à peu près 500 euros ou 600 euros en fait, si vous voulez, avec tout les, sans compter la moto. Donc comme je vous ai dit, la moto, 7900 euros on va dire, et les révisions, ça, 600 balles. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, vous voyez que la Benelli, elle commence à coûter un petit peu son prix. C'est chinois, donc je vous ai dit, c'est pas de la mauvaise qualité, mais c'est pas non plus comme de la japonaise ou de l'allemande ou même de l'anglaise, clairement, je trouve. Alors après, j'ai eu que deux motos, c'est ma deuxième moto, mais je ne vais pas non plus dire que c'est de la merde, mais je vais pas dire non plus que c'est de la super qualité. Donc je vais vous faire les points négatifs de cette moto là, comme ça on terminera sur les bons. Alors vous avez, quand vous démarrez cette moto là, j'ai enlevé le coupe-circuit, vous avez ce petit bruit. Voilà, ce petit bruit quand je l'allume, qui en réalité
C'est pas gênant, c'est pas non plus gênant, mais c'est quand même un bruit. Alors, beaucoup de motos, je pense, le font. On m'a dit que ça faisait que beaucoup de motos le faisaient. Mais moi, je trouve quand même que c'est. Je sais pas, c'est. Ça me gêne. En tout cas, au démarrage, ça me gêne. Après, vu qu'il n'y a qu'une seule fois que ça le fait et après, on roule, c'est pas non plus ultra gênant, mais c'est quand même un point qu'il faudrait. Faudrait peut-être revoir chez Benelli. Alors. Deuxième plan, vous avez la jauge à essence. Vous avez, c'est un modèle qui a quand même 20 litres de réservoir. Et en réalité, vous avez 6 ou 7 bars de. On va dire 6 bars, je crois. Avant d'être vraiment dans la réserve. C'est-à-dire que vous avez toutes les bars qui vont s'afficher. Je vais vous montrer. Vous avez, donc, on va repartir. Donc, vous voyez, là, vous avez toutes les bars. Donc, là, actuellement, j'ai une barre. De plus que l'avant réserve, moi je l'appelle comme ça l'avant réserve parce que la réserve, il n'y a plus rien en termes d'affichage, vous avez encore 3 litres d'essence. Voilà, c'est chez Benelli, c'est comme ça. Vous avez donc celui-là, alors je ne saurais pas vous dire combien de litres, à partir de combien de litres il se déclenche, mais celui-là en fait il va venir clignoter. Le tout dernier en fait il va vous dire attention, vous n'êtes pas encore en réserve, mais vous allez être dans pas longtemps en réserve. Et puis après le reste c'est. L'essence qui vous reste. Mais c'est quand même un peu. C'est un peu bizarre parce que vous pouvez partir. Vous pouvez partir de chez vous avec 2 bars et repartir et faire 10 km. Vous en avez 3. Donc c'est. Voilà. Alors après, vu que c'est que de l'affichage comme ceci, c'est clairement une moto qui n'est pas très très précise, je dirais, en termes de jauge à essence. Donc voilà. Donc ce qu'il y a comme affichage. Même pas, je vais même pas faire l'affichage parce que l'affichage c'est aussi un bon point, je trouve, mais donc voilà. Alors, deuxième point, enfin troisième point, les rétroviseurs. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils sont grands, il y a quand même de la vue, on peut quand même bien voir. Pourquoi est-ce que tu râles? Alors, je râle parce que en fait, ils font ça. Alors, là, moi je le fais comme ça, mais vous voyez qu'il y a quand même du jeu. Si je ne laisse pas reposer un rétroviseur pendant plusieurs heures et qui en fait prennent sa position comme s'il y avait de la coupe, comme s'il devait rester comme ça, en fait à une certaine vitesse il vient à se plier. Donc le problème pour moi c'est qu'il a pris du jeu et vu que c'est que du plastique, qu'il n'y a pas de vis, voilà, il n'y a pas de vis non plus. Voilà, c'est clairement quelque chose qu'il faudrait qu'ils revoient chez eux. Par contre aussi l'effet faux carbone. C'est pas non plus hyper. Alors c'est joli, oui. Ça fait le travail. Mais par contre, c'est pas non plus quelque chose qu'on désire sur des rétroviseurs. Si c'est vraiment un rétroviseur en carbone qu'il faudrait mettre, eh ben, ils trouvent des accessoires pour. Je me perds dans mes mots, désolé. Mais en tout cas, moi, je trouve pas ça non plus très disgracieux. Mais je trouve pas ça très bien intégré, en tout cas, les rétroviseurs en carbone comme ça. Mais c'est surtout le jeu, moi, qui m'embêtait. Derrière, alors quatrième point, si je me trompe pas, vous avez des feux à LED qui sont ici, vous avez des feux à clignotant LED ici. Ça, c'est juste le petit affichage, ça. Mais là, vous avez des halogènes, clairement, vous avez des H7 halogènes. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Benelli ne fait pas une option, même si c'est une option et que ça coûte de l'argent. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des projets, en tout cas des feux LED, clairement, pour que les. Maintenant, on est dans l'ère du temps de la LED, que ce soit pour les voitures ou pour les motos. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça ne passe pas en LED. Mais ça, ce n'est que ce que moi je dirais, on va dire. Donc ça. Ce que je trouve aussi quand même très, je vais pas dire gênant, mais en fait quand vous avez le top case, là vous pouvez pas le voir, vous imaginez que vous avez le top case. En fait si vous voulez, quand vous êtes passager de ce genre de moto, moi qui suis un peu large et tout ça, un peu large de partout, je suis placé en fait vraiment sur, je suis pas collé non plus, mais je suis quasiment à cet endroit là, d'accord, je suis à cet endroit là et tout ça. Et le ou la passagère que j'ai derrière, généralement c'est les mêmes, personnellement, mais vous avez en fait la personne qui va avoir le dos cambré. Donc quand vous faites des petits trajets de
peut-être 20 ou 30 minutes, ça peut peut-être le faire. Mais quand vous faites une journée complète à deux, votre passagère ou votre passager se retrouvera avec un mal de dos et un peu mal partout parce que ça, voilà, la selle n'est pas non plus hyper confort. Elle l'est, mais n'est pas non plus hyper confort et tout ça. Pour avant-dernier point, ça je ne l'ai pas noté le dernier point, mais avant-dernier point, l'intervalle des révisions. C'est une moto chinoise, comme je vous ai dit, avec 6000 km entre chaque révision. Ils ont passé la garantie de 2 à 3 ans parce qu'ils savent maintenant que leurs modèles sont bons, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces motos-là, elles sont faites pour voyager, elles sont faites pour aller loin. Pourquoi est-ce que c'est que 6000 km? Franchement, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et que chez eux, ils devraient peut-être passer. Ils voient très bien qu'au bout de 6000 km, tout est bon. Pourquoi est-ce qu'ils ne passeraient pas peut-être à 8 sur les prochains modèles et après 10 000 km? Parce que quelqu'un qui fait très peu, qui fait peut-être 4000 km à l'année, ça ne va pas le déranger parce qu'il va faire la révision au début d'année et puis après il va faire son petit bonhomme de chemin l'année. Mais il n'a pas besoin de se poser la question. Quelqu'un qui est comme moi, qui roule beaucoup, ce genre de moto, c'est pas réticent, mais c'est quand même un point qui peut être un peu négatif quand même, un peu réticent, je dis pas non plus au contraire, sur le pourquoi prendre cette moto quand on roule beaucoup. Mais la position est là, enfin bref, voilà. Et le dernier point, alors, c'est un petit problème que j'ai, je vous explique. Je sais pas si vous le voyez, voilà, la selle qui est là, la selle, elle est un petit peu déchirée, voilà. J'ai demandé à ce même garage de me dire si oui ou non la garantie peut être mise parce qu'elle a une garantie de 2 ans et si ou pas, oui ou non, la moto, la selle en tout cas, peut se faire remplacer pour ce genre de petit, ce petit écart en fait de selle parce que c'est pas non plus un coup de couteau enfin c'est pas du tout un coup que j'ai mis moi, c'est la déformation du tissu qui fait ça. Et en fait, Benelli a simplement répondu que la moto était trop kilométrée pour que la selle passe en garantie. Donc, je ne sais pas si beaucoup de motos, beaucoup de marques le font, mais en tout cas, si vous roulez beaucoup, et bah, vous avez peut-être une selle qui risque de ne pas passer. En tout cas, chez Benelli, vous avez cette selle qui ne passera pas. Ce n'est pas des coups de couteau du tout que j'ai mis, ni tournevis, ni quoi que ce soit. C'est juste de l'usage, de la mettre, de la démettre. Enfin, de l'enlever, de la remettre, pardon. Ce n'est pas passé, ils n'ont pas voulu prendre, donc moi je vais faire avec. Si j'ai l'avant et que ça pose un problème, je réduirai un petit peu le prix pour que la personne puisse se refaire une selle. Voilà. Donc ça, c'était tous les points négatifs, je trouve. Ah oui, dernier petit point. Vous avez en fait ces valises-là, valises JV, qui n'ont pas de protection pour l'eau au niveau des orifices de clé. Ce qui se passe, c'est que quand vous mettez la clé, des fois, ça grippe un peu. Donc, je trouve qu'ils devraient mettre peut-être un petit capuchon, comme ils ont fait sur les 38 litres. C'est sur le côté ici, mais sur le top case, comment ça s'appelle ? Sur ces top case-là avec le 52 litres, il n'y a pas de protection. Il devrait en mettre quand même, je trouve. Donc ça, c'était tous les points négatifs que je trouve à la bécane, clairement. Il va y avoir des points positifs, mais il faut aussi retenir que c'est ma moto. J'en dis ce que j'en pense. Il n'y a pas de partenariat du tout avec n'importe qui. Moi, je fais juste cette vidéo-là pour vous dire ce que j'en pense de cette moto-là après 15 000 km quasiment. J'en dirai un petit peu après pour ce point-là. Mais voilà, je vous présente la moto comme elle est, avec les accessoires, avec tout comme ça, parce que beaucoup de personnes présentent les motos, mais alors j'ai vu quelques vidéos sur 1 an, 2 ou 4 ans, mais ils disent ils disent pas tout, mais bon, ça c'est aussi quelque chose qui est propre à chacun, mais voilà, c'est ce que moi je pense. Donc là, je vais vous présenter tous les points positifs de mon point de vue. Vous avez en tout premier, je vais dire même, la comparaison que vous pouvez avoir avec d'autres motos.
Je pense que vous pouvez le voir, c'est quand même une assez grosse moto. Clairement, je vois de temps en temps des CB500X de chez Honda. J'ai l'impression que c'est une grosse 125, la CB500X, alors que c'est la même cylindrée que cette bécane-là. Clairement, ils ont fait quand même très fort Benelli avec cette espèce de... Alors, ce bec, tout le monde peut ne pas kiffer, tout le monde peut ne pas aimer, mais en tout cas, moi, j'aime bien. Ça fait quand même un ressenti qui est un peu... Moi, que j'aime bien, en tout cas, je suis assez haut. On est assez haut au niveau de la position de la route. Donc ça, vous avez vu que ce sont des clignotants à LED, voilà, pour ceux qui posent la question, et donc ça donne ça. Allez, comme ça éclaire. De nuit, franchement, j'ai l'impression d'avoir des feux de route, tellement ça éclaire et qu'on est quand même bien vu avec ça. Il devrait faire passer ces clignotants là. Alors, je sais pas si ça peut être une option, mais en tout cas, chez Honda, ils ont fait ça. Ils ont fait des clignotants qui étaient tout le temps allumés. Et au moment où on tourne, ça clignote. Mais en fait, de base, ils sont allumés. Et clignotant, je sais que c'est fait pour juste être présent, mais là, ça permet d'être encore mieux vu sur la route. Donc, clairement, voilà. J'ai dit les clignotants, mais chacun des clignotants est à LED, clairement. Vous avez aussi le warning qui est là. Ah, est-ce que clairement, une moto qui fait... Vous le voyez quand même. C'est... Faut se dire quand même que cette moto-là, elle est quand même très bien faite, je trouve. Mais il y a des points négatifs comme des points négatifs. Points positifs et des points négatifs, pardon. Donc ça, c'était mon deuxième point. Vous avez d'origine, je dis bien d'origine, des pare-mains. Et c'est pas non plus des... Alors, c'est pas des pare-vents. Alors, c'est des pare-vents, mais c'est aussi des pare-mains. Vu ce que c'est en termes de métal, d'accord, si vous tombez avec, vous gardez ça sur la moto, hein, clairement. Alors ça peut peut-être sauter, mais en tout cas, ça vous protégera. Ça protégera le levier, qui est juste derrière, qui est réglable. Les deux, hein. Les deux sont réglables, hein, clairement. Et donc... Vous avez une prise, vous avez risque de tomber aussi, mais ça vous protégera quand même. Et vous avez aussi ça. Vous avez des deux côtés, vous avez des crash bars. Voilà, on va le faire comme ça. Et qui se retrouve à ce que, bon déjà ça permet de mettre des feux additionnels, mais qui en fait donne un look à la moto quand elle n'a pas les valises, je trouve qui est juste incroyable. Donc c'est quand même je trouve qui peut être assez bien remarqué. La bulle, alors c'est un point positif négatif. Quand vous faites, moi je fais 1m83, quand je suis placé devant, en fait je reçois au niveau du, on va dire, du front, du début des cheveux. Alors j'ai pas non plus une calvitie ni je suis pas chauve, mais en tout cas on va dire à 5 cm, je vais vous dire centimètres, mais en fait, je le retrouve en haut de tête, dans le casque. Je retrouve avoir du vent. Et en fait, c'est un peu gênant. Donc, quand on fait peut-être 1m80 ou plus, la moto, il faut peut-être lui penser à... Alors, j'ai toujours pas mis, mais en tout cas, un espèce de pare-vent. Ou une bulle. Il y a une bulle qui est encore plus grande et qui permet de ne plus avoir de vent. Mais voilà. Mais en tout cas, la bulle, elle est très bien comme elle est, je trouve, avec les déflecteurs qui sont ici. Donc voilà, c'est quelque chose qui me semble bien. Donc ça, vous avez, donc je vous ai dit, l'installation des feux additionnels. Vous avez, alors ce qui est très bien sur ce moto-là, sur les motos chinoises en tout cas, vous avez des boutons. D'accord ? Vous avez des boutons. Et ces boutons-là, ils sont déjà intégrés au système. Vous n'avez pas besoin de rajouter un autre bouton ici ou là, ou peu importe. Ils sont déjà intégrés, clairement. Ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir des valises sur les côtés, JV et un top case. Les trails ont maintenant beaucoup d'accessoires pour mettre des bagages et tout ça. Les rosters n'ont pas, je trouve que ça devrait peut-être être mis. Je trouve que après c'est un trail, hein, bien évidemment. Mais voilà, je trouve aussi le fait de mettre des valises, ça permet de
de se simplifier quand même la tête. Alors oui, des fois, moi je mets simplement mes affaires dedans, et puis ça me va très bien. Mais voilà, ça c'est vraiment la moto que je trouve, la position est bonne. Et même pour revenir sur la comparaison des motos, en 500 cm3, pas beaucoup de motos ont ce genre d'attrait. Mais par contre, on pense des fois que c'est un gros cube, c'est-à-dire que ça peut être un 800 ou un 1000, comme, ou même plus, hein, comme la 1250GS, comme alors la Africa Twin, c'est dans un autre style, mais en tout cas comme la Panigale, comme la Panigale V2 ou V4. Je vous donne des noms comme ça, mais ça peut ressembler. En tout cas, il y a de l'adaptation un peu de tout, un peu de beaucoup de constructeurs chez Benelli, qui se retrouvent quand même sur la moto. Donc voilà, gros avantage chez les réservoirs de 20 litres, clairement. Vous pouvez faire, alors, si vous roulez comme un con, je vais le dire clairement, vous pouvez, alors j'ai réussi à faire moins de 200 km. Donc ça vous fait un plein au bout de 200, un peu, j'ai fait je crois 170 km avec un plein de 20 litres. Donc ça vous fait du un peu plus que 10 litres au 100. Donc en restant en deuxième à chaque fois à fond et trucs comme ça, donc là clairement vous consommez. J'ai fait réservoir rempli jusqu'au maximum, c'est-à-dire j'avais mis un peu plus que 20 litres. Je suis tombé en panne sèche, clairement, je ne pouvais plus avancer. Au bout de 405 km. Donc, ils disent une autonomie de 405 km. Je vais te dire, avec les conditions que j'ai mises, j'ai fait un Bordeaux-Agen sur la journée et j'ai tenu un petit peu plus. Le Bordeaux-Agen, c'était entre 80 en. Alors, ça pouvait être du 50 en ville, mais en nord, ça devait être de l'ordre de 100 à 110 km/h. En roulage, j'étais en balade avec un ami à moi qui était derrière, on était deux sur la moto pour le petit salon d'Agen de moto, donc c'était très agréable sur ça. Mais voilà, on était deux, je suis pas non plus un poids léger, donc ça veut dire que la moto consommait quand même. Donc voilà, ce qui est quand même très bien, c'est les 400 km, ce qu'ils disent. Ça peut être respecté si on roule pas non plus comme un débris ou comme quelqu'un qui roule en laissant la poignée de gaz vraiment appuyée dessus tout le temps. Donc ça, c'était, donc il y a eu la présentation de la moto, il y a eu les points négatifs, la moto en elle-même, combien ça m'a coûté, et tout ça, les points négatifs et positifs. Je vais vous dire ce que j'en pense de cette moto-là. En étant à deux, je dis bien en étant à deux, si vous avez de l'argent et vous vous dites, j'ai envie de sortir un peu du lot de... Alors, clairement, je ne dénire absolument pas le fait que Yamaha a des très très bonnes motos. La Tracer, la Ténéré 700. Chez Kawasaki, vous avez la Versys, la Versys 650. Chez Suzuki, vous avez j'ai plus le nom, mais en tout cas aussi un 660 cm3, je crois. J'ai plus le nom en tout cas de ce modèle-là. Chez les grosses marques, vous avez des modèles qui peuvent peut-être coûter un petit peu plus cher que celui-là. Actuellement, je crois qu'il est à 6 700 €, je crois. Je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, vous pouvez aller voir sur le site de Benelli. Vous verrez tout de suite le prix de cette moto là. C'est la 500, la TRK 502. D'accord, c'est pas la X. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ce que j'en pense au bout de 15 000 km, c'est une très bonne moto, clairement. Je pense qu'elle n'a pas à rougir non plus des autres motos, comme je vous ai cité avant. Elle peut même être un peu encouragée parce qu'elle a la taille d'une grosse moto, non pas des, comme je vous ai dit, d'une 1250GS ou d'une 1200 même. Vous avez la comparaison, comme je vous ai dit, avec le Versys 1000, où vraiment on a l'impression que ça peut être une grosse moto, alors que pas du tout, c'est un 500 cm3 en 48 chevaux. Donc,
À Bordeaux, je sais pas si je pense que certains connaissent, et certains vont voir la réponse que je vais avoir. La piste d'accélération, quand je vais avec cette moto-là, et oui, j'y vais avec cette moto-là, vous pouvez y aller avec n'importe quelle moto. Je dis bien moto, alors scooter, j'ai pas encore vu. Je pense que personne n'y va en scooter. Mais je pense que si vous allez en scooter, vous pouvez peut-être taper des motos qui sont alors, bridées, bien évidemment, parce que généralement, vous avez des grosses motos comme des VMAS, comme des MT-09, des MT-010. Vous avez des peut-être pas de R1, mais en tout cas, vous avez des grosses motos. Ça, c'est le modèle que j'ai en tête, pardon. Des grosses motos qui peuvent avoir là-bas. Et c'est une grosse ambiance, grosse communauté et tout ça. Donc quand j'y vais là-bas, je suis seul avec des gros feux additionnels. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que moi, je me fais détruire par les autres. C'est-à-dire que je n'ai jamais gagné, clairement. Parce que c'est une moto qui fait 48 chevaux. Je ne dis pas qu'avec plus, je gagnerai, mais juste que actuellement, je ne gagne pas les autres, les runs de moto, parce que c'est une petite moto. Petite moto en termes de puissance. Mais il y a quand même des choses qu'il faudrait qu'ils progressent dessus, clairement. Vous avez donc c'est le freinage est bon, l'accélération elle est lisse, mais pas non plus trop exigeante. Vous avez la position de conduite qui est très bien, voilà. Donc si vous avez envie de revoir les points positifs ou négatifs, vous pouvez revenir un petit peu en arrière. Enfin, finissez la vidéo. Et puis recliquez dessus, comme ça fera un maximum de vues, on va dire. Mais voilà, pour vous faire global, je trouve que c'est une très bonne moto. Pour une moto qui vaut environ de base, on va dire 6500 euros, peut-être 6700. Et avec tous les accessoires, on va dire plus de 9000 euros quasiment. On va dire 9000 euros. Je trouve que c'est quand même cher pour ce que c'est. C'est-à-dire que c'est du chinois. Et le problème, c'est que vu qu'il y a tout l'importation en France, les motos viennent de Chine, c'est quand même un coût qui, faut quand même le reconnaître, qui ne convient peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, en permis à deux, quand vous avez en permis à deux, mais que vous voulez pas, vous voulez rouler sur quelque chose de différent que ce que vous pouvez voir, parce que j'en croise pas non plus des masses. Sur Bordeaux, il n'y en a que quelques-unes, dont un qui se reconnaîtra, qui est Kevin, qui a la X en rouge, si je ne me trompe pas. Et bien en réalité, cette moto-là, on ne la voit pas des masses. Donc si vous voulez vous différencier, clairement, prenez-la. Quelqu'un qui a peut-être 40 ou 50 ans, je lui conseillerais cette moto-là aussi. Il y a d'autres motos qui peuvent clairement faire affaire. Mais si pour 48 chevaux, clairement, vous n'allez pas casser trois pattes à canard, mais vous allez quand même faire de la route. Hein. Et puis, vos potes qui sont en sportif ou en roster ou en café racer qui vont faire le road trip peut-être des Pyrénées ou d'autres balades, vous allez être tranquille dessus. Et eux, ils vont avoir peut-être un peu mal aux fesses et tout ça au bout de la journée. Je ne dis pas que vous n'allez pas avoir mal aux fesses. Vous allez avoir mal aux fesses, mais quand même beaucoup plus. Vous allez quand même avoir un sentiment de position qui correspond quand même à beaucoup de personnes. Il faut quand même un peu grand parce qu'il y a quand même un peu d'espace entre là et là. Je ne saurais pas vous dire, vous avez tout sur internet hein, pour chercher les bruits, tout ça. Mais voilà. Ce qu'on peut faire, c'est que je vous allume la moto. Et puis après, je fais quelques passages. Je fais quelques passages avec la moto pour vous faire entendre le bruit, en tout cas, de cette moto-là. Donc voilà, je la démarre, d'accord. Et puis après... Ah oui, je vous ai pas montré, mais si j'appuie dessus... Clairement, est-ce qu'on voit pas la moto? Oui, on la voit. Donc clairement, alors si sur Bordeaux vous voyez une moto comme ça, oui, ça sera. Même si j'ai pas la caméra, parce que je l'ai très rarement la caméra, à part pour des balades ça, et pour ce genre de vidéo, je ne l'ai pas la caméra. Donc après, si vous voulez, moi je suis très, je parle, je peux facilement parler. Donc si vous voulez venir
me voir pour taper un peu et discuter tout ça. Je suis ultra preneur, si j'ai le temps. Donc voilà. Bon, je vous fais écouter tout ça. Dites-moi dans les commentaires si le bruit, ça vous va ou pas du tout en fait. Je vais vous faire le petit ralenti quand même parce que là, je vous ai fait l'accélération mais... Voilà le ralenti. Là je suis à côté. 1, 2, 3 mètres. Voilà ce que ça donne. Ça fait un bon petit bruit quand même. Ce qu'on fait, c'est que je pose la caméra et puis comme ça on peut passer. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pensé à tout. Peut-être pas, je vois que je vous ai pas dit qu'en fait, il y avait un double port allume-cigare. Enfin non, c'est juste un port, pardon. Juste un petit port allume-cigare. Moi, avec mon quadlock, vu que j'ai là, j'ai mes câbles et tout ça. Ça fonctionne très très bien. Voilà, si vous avez des questions et tout ça, et que si vous voulez que j'en fasse une vidéo, vous me dites. Pour le moment, c'est... J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas. Dites-moi en commentaire, en tout cas, s'il y a des choses qu'il faudrait que j'améliore et tout ça. Et puis voilà. Hein. Je vous dis à la prochaine. Je roule un petit peu. Et puis, je vous dis à la prochaine. D'accord. Et voilà. Passez une bonne fin de journée à vous. Et puis, au revoir. Vidéo. Je souhaite bon les gars pour une énième vidéo pardon pour une énième outro